Alors voilà, on se retrouve pour un nouvel exercice de putting. Et donc pour cet exercice-ci, on a besoin de 3 tees et de 3 balles. On va venir évidemment sur le putting green. On va venir se positionner à une distance de plus ou moins entre 1,50 m et 3 m. D'accord ? Donc on est sur des putts relativement corrects avec de la pente. Notre premier tee, lui, va servir une nouvelle fois de point de départ de la balle. Sur ce premier putt ici, avec notre première balle, on va estimer la pente. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir beaucoup de break, un petit peu de break? Est-ce qu'on va avoir une pente droite-gauche? Est-ce qu'on va avoir une pente gauche-droite? On va estimer ça. Ça peut prendre un petit peu de temps pour trouver la bonne pente. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a trouvé cela, on va venir placer deux balles à équidistance entre le point de départ et le trou. On va venir à nouveau derrière pour vérifier que ça vous paraît correct. On va venir ensuite placer les deux tees à l'extrémité des deux balles qui sont, elles, l'une à côté de l'autre. On va venir récupérer cela et on va pouvoir venir effectuer notre drill, notre exercice. Si jamais vous voyez que la pente n'est pas la même ou que le placement de vos deux tees n'est pas bon, vous refaites l'exercice. À chaque fois, vous essayez de prendre un point de repère. Une fois que vous avez vos deux portes qui sont placées là, c'est plus facile parce que vous pouvez rapidement les bouger soit un petit peu plus à gauche, soit un petit peu plus à droite. Vous répétez l'exercice plusieurs fois. Et puis surtout, ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est que donc, ici, on a un putt gauche-droite. Vous placez de l'autre côté, vous avez certainement une pente droite-gauche. Ouais. Donc, vous pouvez tourner et circuler autour du trou. Ça va pour vous? Oui. Parfait.